Allons-y, les enfants, on l'appelle. Déza, 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 déza. Bonsoir, déza XXL. Bonsoir à vous. Bon, je m'amuse quelquefois, hein, je te chahutais encore hier. Je disais que quand il avait sorti la cassette, il avait marqué déza XXL. Mais depuis là, il a pris un peu de poids. Donc moi, j'ai ajouté un autre X. Je dis déza XXXL. Ça n'engage que toi. Oh, ça n'engage que moi. On applaudit très très fort déza XXL. Déza pour les enfants. On va chanter quelque chose pour eux d'abord. Okay. Et ensuite, ils vont te poser des questions. Okay. Les enfants, vous suivez déza XXL. Oh Jackie, mon ami. Oh Jackie, mon ami. Toi sur qui je comptais. Toi sur qui je misais. Oh Guami, Nuazio. Oh Jackie. Avec moi les enfants. Oh Jacques, papa suré. Oh Jackie. Oh Jackie. Papa suré. Oh oh Jackie. Oh Jackie. Tu as déliré. Oh oh Jackie. Oh Jackie. Tu as déliré. Oh oh Jackie. Oh Jackie. Et baba. Bah. Mi colami se sinzai mami o Amwenya mi yini eyeyi eja uzwa Mi junke mi gompale ale o Ayen wanyemzo mu gonjaki O mayemzo Mi gompale ale o Oh, my emozo, me gompale ale oh. Oh, Jackie. Oh, Jackie. Oh, Jackie. Oh, Jackie. Alors, moi, je suis tenté de chanter comme ça. On va chanter les enfants, hein. Oh déza, vous êtes déza maintenant. Hein? Oh déza, encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Oh déza, ici tout le monde, ouh, c'est bien. Oh déza, encore plus fort, plus fort. Oh, on applaudit très très fort déza XXXXL. Déza, tu t'assois à côté de Emos. Hein, tu peux t'asseoir dessus, c'est pas grave. Nous allons commencer à poser des questions à l'artiste. Diaby Safiatou, c'est toi ma grande, je vais vers toi. Hein, tu vas poser ta question à mon cher ami Déza XXL. Lève-toi, comme ça on va te voir bien. Bonjour l'artiste. Bonjour. Est-ce que Déza 2XL est ton vrai nom? Déza 2XL est mon pseudonyme. Je m'appelle en fait Ewi Nyamke Philippe. Voilà. On applaudit très très fort la réponse. Mettez Arnaud. La rumeur dit que tu es le frère de Mewé. Est-ce vrai? Eh bien, la rumeur est vraiment fondée parce que c'est exact. Je suis le frangin à Mewé. Je viens juste après lui. Il est le cinquième. Je suis sixième d'une famille de huit enfants. Voilà. C'est le jeune frère de Mewé. Tu viens, mon grand. Il se nomme Boris. Boris, tu viens? Comment peut-on désigner ton genre musical? Mon genre musical, ok. Alors, j'ai un style de musique que j'appelle le Nozoaïlé, qui est dans la mouvance du Zoblazo, qui est exactement, je ne sais pas comment expliquer, mais disons que c'est dans la même lignée. Et voilà quoi, c'est un dérivé du Zoblazo, quoi, ce que je fais. Voilà. Attends, alors, tu vas dire ton nom d'abord, c'est Vincent Fabrice, c'est ça, non? Vicence, pardon. Depuis quand fais-tu la musique et où vivais-tu avant 1995? Depuis quand je fais de la musique? Je fais de la musique depuis le début des années 80.
Et où je vis depuis ce temps-là, ben j'étais d'abord en Côte d'Ivoire, je suis allé à Paris vers la fin de l'année 88. Et donc ça fait exactement 7 ans que j'y suis. Et puis voilà quoi, ça fait 7 ans que j'y suis. On applaudit très très fort Deza XXL. Pendant que je vais de l'autre côté, oui. Deza ressemble à papa ou maman parce que Méo est très mince et Deza XXL. Je ressemble surtout à la vieille. À la vieille. Ouais. Ah oui, ça c'est très très bien. La vieille a fait un grand garçon. On peut l'applaudir très très fort. Diabaté Aïdara. C'est qui Diabaté Aïdara? C'est toi ma grande? Bon, je vais aller vers toi. Tu vas poser ta question. Attends. Combien de chansons y a-t-il sur ta cassette et qui est ton arrangeur? Ok, alors sur la cassette, je vais noter une petite précision, c'est qu'il y a 8 morceaux sur la cassette et 9 sur CD. Alors ça a été arrangé par Mewé, produit en même temps par lui. Voilà. Voici qui est clair, on applaudit très très fort Deza XXL. Merci. Qui va nous proposer une chanson que j'aime bien dans le style blues. Gospel. Et, voilà, gospel. Et je crois que le titre, c'est Blood. Blood, yes. Voilà. Oliwomoja, otisre o nyamene, eja, ke oma oyere. Namabuyi ketesrale Mani anyi sou No yamawo na yamawo Anyi sou Non kachike Eja Ke oli wo moja Singro kato guazo nyai Singro kato guazo nyai On applaudit très très fort. Encore plus fort les enfants, encore plus fort. Et je voudrais savoir Deza, quand c'est auprès du grand frère qu'on a appris à chanter ou bien la maman chantait, le papa chantait? Oui, c'est une histoire de famille. Hein. J'ai déjà mon grand-père qui était musicien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été marié très jeune, pour qu'il ne court pas les femmes. Il a été marié à 18 ans, mon grand-père, pour ça. Il y a ma mère qui chante dans une chorale. J'ai ma sœur aînée qui est choriste aussi. Puis j'ai Mewé également, que tout le monde connaît. Oui. C'est une histoire de famille, quoi. C'est une histoire de famille, ouais. Bravo. Bon, on applaudit très, très fort. Rabé Arlette. Bon, j'ai un problème avec une petite. Tu viens, ma grande. Viens. Non, viens, ça ne fait rien. Elle veut me demander quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? C'est
C'est elle là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Dedans aussi qu'elle allait chanter avec moi. Elle allait chanter aussi. Qu'est-ce qu'elle veut chanter? Tu veux réciter? Bon, tout à l'heure, on va voir ça, hein, ma grande. Vous restez tranquille et puis vous écoutez Desa XXL. Myriam Fofana. Myriam Fofana, c'est qui? Ben, tu viens? Non, Rabé Arlette d'abord. Tu viens? Dépêche-toi, ma grande. Voilà, non, ne descends pas. Bon, tu es déjà descendu. Viens par là. Voilà, ta question à Desa. Que pensez-vous de l'émission Awané que nous aimons bien? Eh bien, je trouve que vous avez raison de l'aimer, l'émission Awané. C'est une excellente émission qui est faite pour vous. Et que, enfin, ce que moi j'en pense, mais c'est que c'est un bon moyen pour faire un peu de récréation aux enfants. Les enfants, ils s'amusent bien en voyant ça. Et puis bon, ça leur permet de communier ensemble. Ben, c'est une bonne chose. Et puis voilà, j'en pense le plus grand bien. Voilà, on applaudit très très fort Desa. Ouais. Myriam Fofana, ta question. Quel conseil peux-tu donner à tous les enfants et particulièrement aux élèves? Ok, bon, à tous les enfants d'abord, j'aimerais dire une chose qui est très importante, c'est le respect des aînés. Quoi. Déjà, pour commencer, il faudrait être très respectueux des aînés. Et bon, particulièrement pour ceux qui sont sur les bancs, eh bien, il n'y a qu'un conseil à donner, hein, c'est celui d'être persévérant dans les études et de donner le maximum pour que les parents ils soient fiers d'abord d'eux et ensuite qu'ils soient contents du succès qui découle des études qu'ils auront eu à faire quoi, plus tard. Voilà. Cassie Stéphanie, ta question. Quels sont tes projets maintenant que ta cassette est sortie? Mes projets, déjà dans l'immédiat, c'est la promotion. Hein. Je donne la priorité donc à la promotion. Et je suis, enfin, le clip il est sorti, il y a beaucoup de choses qui tournent, je tourne beaucoup en boîte. Et puis je compte surtout faire une petite tournée dans la sous-région. Et pour l'instant, au niveau promo, c'est ça, quoi, surtout ça. Quoi. Abiasi Gabriel, ta question, ma grande. Quelle est l'histoire que vous racontez dans le morceau Desa? Oui. Ok. L'histoire du morceau Desa, c'est une histoire somme toute banale. Hein. C'est quelque chose qui arrive à tout un chacun, surtout aux hommes qui se font rejeter par les femmes quand ils ne sont pas nantis et qui sont tout de suite adoptés dès qu'il y a un semblant de réussite qui arrive. Et c'est ce que je dis, quoi. Je dis non, de cette façon-là, ça ne marche pas. Et je dis niette, quoi. Et c'est ce que je dis dans des actes. Il faut les aimer quand ils sont pauvres, quand ils n'ont rien. Voilà, il faut les aimer comme ils sont, et voilà. Plutôt que d'attendre qu'ils aient les moyens d'avoir. Il faut applaudir très, très fort des AXXL pour cette réponse. Et Manoua Marie, c'est ça? Oui. C'est toi qui as joué tout à l'heure? Oui. Ah bon, c'était difficile? Non. C'était pas difficile, seulement qu'il n'y avait plus rien, quoi. Bon, ta question. Êtes-vous toujours habillé en gilet? Pourquoi tu es habillé toujours en gilet? Bon, c'est une question de, je sais pas, de goût. Hein. J'aime bien être habillé comme ça. Et puis, oh ben, je m'habille pas tout le temps en gilet non plus. Faut pas croire. Il y a des moments où je m'habille, je sais pas, en survêt, en machin. Oui, mais, en costume. Ouais, ou en guitare. Rarement, parce qu'en costume, je transpire beaucoup. Je jouais rarement quand même. Mais j'aime bien les gilets parce que ça correspond à mon style. Et puis j'aime bien. C'est une question de goût, quoi. Bon. Desa XXL, le mercredi prochain, tu ne seras pas avec nous, mais nous allons être avec deux écoles ici. Ça va chauffer, on va faire l'ambiance. J'espère que tu vas suivre. Les enfants ne t'ont pas demandé, est-ce que tu as un enfant? Non, pas encore, ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder? Oui. Dans 9 mois? C'est un secret que je réserve à tout le monde, notamment ma famille. Bon, Desa XXL va vous proposer maintenant ce titre que tout le monde aime, c'est dansant, ça fait vraiment bassam quoi, fanfare. Traoura Malusekou, envoie-nous la musique. Blame Kenya Zinga. Face sur le blanc. Entre moi et son poids. Tu me disais, mon ami, tu n'es pas mimi. Et n'est pas ma mimi que en bas. Je suis quoi ma belle éclama. Face sur le blanc. Entre moi
Aïe, aïe, des salles de nos oignes. Aïe, 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 parce que j'étais un moisi. Aujourd'hui que ça baigne un peu là, te voilà. Tu ne trouves pas que c'est un peu tard pour changer ta vie? Mercredi prochain, nous allons vous retrouver sur la première chaîne de la RTI. Toute l'équipe d'Awané, nous vous disons au revoir, au revoir. Le mercredi prochain, Inter-École. Ça fait une paquette de suite. Et alors? Tu fais si tu la vois pas. Et du coup encore? Quand ça finit aujourd'hui, elle est même dans la salle. Vous insistez, hein? Là.